bienvenue sur France 2. L'émission c'est Génération Panam. Pendant plus d'une heure, je vais vous présenter tous les stand-upers et stand-upers de la nouvelle génération, tous issus du Panama Café, le comédie club le plus prestigieux de la capitale. Applaudissez-les, donnez-leur de la force. On a de la chance quand même. Regardez, on est là, on va se marrer. Ouais, regarde, on pourrait être en Ukraine en train de se faire bombarder la gueule. On est dans cette salle en train de m'admirer. Vous avez beaucoup de chance, vraiment. Sans déconner, mais c'est fou. Vous vous rendez compte? C'est à 2000 bornes d'ici, ils se font bombarder la gueule et nous, on est là. Non, sans déconner. C'est pour ça, moi, j'ai des potes comme ça qui me parlent de leur vie. Ils se plaignent, ils disent « Ah, la vie, elle est monotone. Ma vie, elle est routinière. » Mais c'est super d'avoir une vie monotone. Chérissez vos vies monotones. Hein. En Ukraine, leur vie, elle n'est pas monotone. Hein. Le mec, il se lève, il fait « Putain, j'avais pas un bras hier soir. » Voilà, alors... Ça casse la monotone. Je préfère ma routine, honnêtement. Les mecs, ils se font bombarder. Nous, on n'a jamais vu d'avions de guerre. Les seuls avions de guerre qu'on connaît, nous, c'est la patrouille de France. C'est les mecs qui font les cons le 14 juillet dans les nuages. Tu crois que ça fait peur à Poutine, ça? Tu crois qu'il se dit « On peut pas attaquer la France. » Ils sont capables de faire des cœurs en bleu, blanc, rouge avec une flèche qui... Il y a une ruse. Au moins, je vais vous dire, Poutine, certes, il a quelques défauts. Mais au moins, le mec, c'est un chef de guerre. Quand il va à la guerre, il te dit « J'ai l'arme nucléaire. » Nous, on répond « Ben non, on s'en fout, on a des cols roulés et des doudounes. » Putain de merde. C'est pas un gouvernement, c'est les reines du shopping. Le seul mec... Le seul homme politique français qui allait en Ukraine, c'est Bernard-Henri Lévy. C'est ça, la France? Vous voyez, Bernard-Henri Lévy, BHL, dès qu'il y a un conflit, il y va. Il a une alerte sur son téléphone. Il débarque, il enjambe les corps, il fait la photo, il se bat. Il est toujours bien fringué, ce mec, il me tue. Toujours, tu sais, habillé avec sa chemise blanche repassée. Comment il fait? Il vient dans des pays, tout est dévasté, il arrive à trouver un pressing ouvert, putain. Et là, il est allé en Ukraine, et pour arrêter la guerre en Ukraine, à Odessa, sur une des barricades, il a mis « Liberté, égalité, fraternité », il a mis. Je suis pas sûr que ça marche. Parce que moi, sur ma boîte aux lettres, j'ai mis pas de publicité. Mais je comprends nos hommes politiques, ils ont pas le temps de s'occuper de nous. Ils sont trop occupés à gifler leurs femmes. Voilà, c'est exactement la réaction que j'attendais. Là, je vois tous les mecs me dire « Ne va pas sur ce terrain. » Et toutes les filles « Vas-y, dérape, enculé. » On est sur Twitter. Alors, moi, on m'a dit de ne pas parler de la violence faite aux femmes. C'est pour ça que je vais le faire. C'est un sujet qui est délicat. Parce que d'un côté, tu as la présomption d'innocence. Et de l'autre, tu as « On ne peut pas mettre en doute la parole des femmes. » Voilà. Et nous, en tant que mecs, on devrait fermer notre gueule. C'est ça qu'on devrait. Mais moi, je ne peux pas fermer ma gueule parce que c'est mon métier de l'ouvrir. Si je ferme ma gueule, je ne monte plus sur scène, je ne remplis plus ma salle, je gagne plus d'argent. Je ne mange plus et je meurs. Voilà, c'est ça ma vie. Mais des fois, avec la présomption d'innocence, les filles, on vous prend pour des connes. Hein. Quand tu vois PPDA, 30 témoignages de femmes contre lui, putain. Nicolas Hulot, 9. Et on vous dit encore présomption d'innocence. Moi, je dis, au bout de 5 témoignages, c'est toi. Parce que quand je vais sur TripAdvisor, pour choisir un restaurant qui a 5 avis négatifs, j'y vais pas, voilà. Alors, je suis pas en train de comparer les femmes à un restaurant. Hein. Les restaurants, ça coûte beaucoup moins cher. Nicolas Hulot, on a été étonnés de Nicolas Hulot, quand même. Hein. Nicolas Hulot, c'est un prédateur sexuel. Le mec, c'était le personnage préféré des Français. C'était la personne préférée des Français. On a pas de flair. Hein. Et là, j'ai regardé Ushuaïa, sur Planète, il y avait une rediff. Je regarde plus pareil, en fait, Ushuaïa. Tiens, Nicolas Hulot, il était dans la jungle, avec un orang-outan comme ça. Bras dessus, bras dessous, et l'orang-outan, il fixait la caméra. Et moi, j'ai regardé l'orang-outan. Je me suis dit, si ça se trouve, il essaie de me dire quelque chose. Je continue à regarder Ushuaïa, alors que je sais que le mec, c'est un prédateur. Je continue à regarder les films de Woody Allen, à écouter Michael Jackson. Tu vois, moi, tu sais, séparer l'homme de l'artiste, je sais pas. C'est pour ça que je me dis, heureusement qu'Hitler, c'est un mauvais peintre. Ah, il y aurait des gens pour dire, j'adore Hitler, le peintre, hein, le peintre, le peintre. En tout cas, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas mettre en doute la parole des femmes. Voilà. Sauf, arrêtez d'applaudir comme des connes. Je suis humoriste, il y a un contre-pied. Sauf Amber Heard. Alors elle, vous vous rappelez?
Elle a divorcé de Johnny Depp. Vous avez eu le procès? Mon Dieu, oh là là. Alors les deux, c'est des enfoirés, hein. Johnny Depp, Amber. Mais Johnny Depp, oh, pendant le procès, on a vu, c'est un super comédien. Le mec, il a tout joué, toutes les facettes du comédien. La joie, hein, la colère, l'ironie. Alors qu'elle, à part la pute, honnêtement, elle a chié dans son lit. On ne chie pas dans le lit des gens. À quel moment, dans une dispute, t'es à court d'arguments? Et tu dis, qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Ce qui était bien avec le procès de Johnny Depp et d'Amber Heard, c'est quand tu étais avec ta meuf, tu regardais ça et tu pouvais dire, en fait, nous, ça va. Voilà, ça, c'était... Parce qu'avec ma chérie, nous, ça va. On s'aime. C'est elle qui me l'a dit. Parce que maintenant, c'est on est un couple, c'est on. Avant, c'était je, j'ai été dissous dans le... On va se coucher, par exemple. J'ai pas sommeil, moi. Avant... Quand j'étais célibataire, j'allais me coucher quand j'avais sommeil. Là, non, c'est elle qui décide. Elle prend l'appareil, elle éteint, viens, on va se coucher, viens, on va se coucher. On n'aime pas les gens, on n'aime pas les gens. Des fois, je dis, ah, j'aime bien lui. Non, on n'aime pas, on n'aime pas, on n'aime pas. En fait, je la charrie, mais parce qu'elle aime bien se coucher avec moi, parce que ça, j'ai des poils ici. Et pour s'endormir dans les poils, elle fait des ronds. Et moi, après, le problème, c'est que ça fait des nœuds. Donc, quand elle s'endort, je vais dans la salle de bain et avec sa brosse, je me démêle mes nœuds. C'est ça, ma vie. Là, on s'est un peu disputé par rapport à Zelensky. Parce que tu vois, Zelensky, il faisait du stand-up et maintenant, il se bat tout seul contre Poutine et moi, je fais que du stand-up, tu vois. Et elle regardait Zelensky à la télé et elle me fait, tu vois, lui, au moins, il sert à quelque chose. J'ai répondu tac au tac. Et j'ai dit, OK, eh bien, on va aller en Ukraine. Parce qu'on s'aime. Mesdames et messieurs, vous êtes prêts à commencer cette soirée? Oui. Une ovation pour Antec, s'il vous plaît. Cool, 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 cool. Bonsoir la cigale, vous êtes contents d'être là ou quoi? Oui. Cool, cool, je suis trop content d'être là aussi, trop content d'être avec vous les amis. Ah vraiment, je suis trop content, j'adore faire des blagues, moi de base, mais j'aime pas trop parler de sujets que je connais pas. Et j'ai l'impression qu'en France, ces dernières années, il y a quand même pas mal de gens qui ont parlé de sujets qu'ils connaissaient pas trop, ok? Pendant le Covid par exemple, peut-être vous avez entendu cette phrase du genre « je suis pas médecin, mais... » Mais ferme ta gueule, alors... Je suis pas médecin, mais t'es ébéniste, Michel. Personne n'a critiqué ta manière de fabriquer des commodes. Excuse-nous si on vient pas vers toi pour une pandémie mondiale. Il y a des gens qui sont devenus fous, ok? Moi, j'ai des gens autour de moi, des amis, des gens sains d'esprit, qui m'ont sorti des phrases du genre « Ouais, pour la deuxième dose, je pense que je vais partir sur du Moderna. Ouais. Parce que la première, j'étais parti sur une Pfizer, et il paraît que si tu combines les deux, ça te fait un mélange hyper intéressant. » En termes d'anticorps, pour ton système immunitaire. Mec, hier, t'as cassé des glaçons avec ton front. À quel moment tu me parles de système immunitaire? Je te jure, ça m'a rendu fou, le Covid. En plus, après le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Là, c'était plus « je suis pas médecin, mais... » C'était « je suis pas expert en géopolitique, mais... » Mais t'es toujours ébéniste, Michel. Et à un moment donné, on se demande tous quand est-ce que tu les fabriques, tes putains de commodes. Je... C'était fou. Moi, j'aime pas parler de sujets que je connais pas. Du coup, ce soir, la cigale, je vais vous parler d'un sujet que je connais beaucoup mieux. Je vais vous parler de la religion catholique. Voilà. J'ai le droit. J'ai fait partie de l'équipe. Surprise! Ouais. C'est vrai, c'est vrai. J'ai été dans la team Jésus. C'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que je respecte énormément les religions, beaucoup de respect pour toutes les religions. Il y a des pratiques dans les religions que je trouve magnifiques. La prière, par exemple. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un humain qui prie. Tu vois, c'est beau, c'est pacifique, c'est proche de la méditation. Peu importe qui tu pries, hein, que tu pries Dieu, Allah ou Petit Bambou, vraiment, il y a un truc qui se passe. Le problème de la prière, ici en France, c'est qu'on est sur un truc un peu fade, tu vois, un truc un peu timidou, c'est vrai. Alors que même religion catholique, tu vas aux États-Unis, tu traverses l'Atlantique, tu pousses la porte d'une église gospel, mon gars, tu tombes sur une ambiance, des gens complètement fous, un mec en transe devant eux qui fait « Oh no! Hallelujah, brother and sister, yeah! Oh, oh
yeah, Jesus is here with us tonight, yeah! Il est fou, le gars, il prend des gens à partie, il fait, you, so what's your name? My name is Robert, father, Robert, Jesus, save your soul! He saved my soul! You, sister, what's your name? My name is Jenny, father! Jenny, Jesus, save your life! Last night, Jesus saved my life! Last night, Jesus saved my life, and I pray the Lord. Damn! Ça te donne une motivation, mon gars, t'sais. Tu sors de là, tu marches plus, tu rebondis, tu sais. T'es là, tu dis, mais oui, je vais la croquer, cette vie. Oui, je vais les mener à bien, tous mes projets. Cette idée de start-up de taille-crayon connecté Bluetooth. Tout le monde me dit que c'est de la merde, mais lui, c'est... T'as un allié et il est puissant. Alors que si tu reviens en France, tu retraverses l'Atlantique un dimanche matin, tu pousses la porte de l'église de Melun. Jésus est notre berger. Merci, Constantin. À présent, lisons la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens. Et prions. Et derrière, ça prie, tu sais, une chorégraphie un peu bizarre, tu sais, tu joins les mains, t'osses un peu les épaules, tu fais une petite moue, comme ça, une petite moue, t'sais. Comme si on t'apprenait une mauvaise nouvelle, pas une nouvelle horrible, mais tu sais, une nouvelle du genre, t'es au resto avec des potes, et le serveur vient te voir en disant, désolé, messieurs, dames, mais ce midi, on n'a plus de tiramisu en dessert. Bon, on prendra de la mousse au chocolat, alors. Puisqu'au final, c'est ça, nos petits problèmes de blanc, tu vois. Vrai, j'insiste sur ça. C'est des petits problèmes de blanc. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème en grandissant, en étant blanc et catholique. Jamais eu de problème. Pourtant, on est dans un pays laïque, on devrait tous être à égalité. C'est vrai, on est dans un pays laïque, c'est écrit partout. Toutes les institutions le disent. Pays laïque, pays laïque, pays laïque. Pays laïque dans lequel c'est quand même plus cool d'être catholique. En vrai, hein. Pays laïque, option catho. Pour de vrai. Moi, j'ai pas eu de problème en grandissant, en étant blanc et catholique. T'sais. Des fois, on se moquait un petit peu de moi. Des fois, on se moquait un petit peu de moi. Quand j'étais à l'école, on disait « Oh, le bouffon, il aime Jésus! Oh, le bouffon, il va à la messe !» Moi, j'étais là « Pardonnez-le. » Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'étais vraiment dans cette position parce que j'étais attaché au poteau de basket. Et... Je serais béni au royaume des cieux, n'est-ce pas? Oh! 3 points. T'es fou. Même en étant adulte, catholique, adulte, moi j'ai pas eu de problème en étant catholique, adulte, c'est vrai. Même si on fait une expérience ce soir, la cigale, si l'un d'entre vous va dans une rue bondée à Paris et crie « Je suis catholique !» Les gens vont se dire « Il est ivre, certainement. » Alors si l'un d'entre vous sort en criant « Je suis musulman !» C'est cette ambiance qu'on va avoir, hein, vraiment. Hein. Et merci de m'avoir écouté, c'était en tech, merci beaucoup. À bientôt la cigale, salut! Vous pouvez la retrouver au point virgule Blandine Lou. Bonsoir la cigale. Je suis hyper contente d'être avec vous ce soir parce que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de stand-up. Parce qu'en fait, il y a 3 mois, j'ai donné naissance à mon 2e enfant. Merci. Je m'attendais à plus. Et je suis hyper contente d'être avec vous ce soir parce que si je suis avec vous, ça veut dire que je suis pas avec mon mec. Et ça, ça fait grave plaisir parce qu'on peut plus se voir. Alors ça a commencé pendant la grossesse. Je me suis dit bon, c'est normal, c'est les hormones. Après, je me suis dit bon, bah, c'est normal, c'est le postpartum. Et en fait, c'est normal. C'est un homme. Je vous jure, des fois, il me parle, j'ai juste envie de lui dire ah, mais ferme ta gueule. Après, attention, il a des qualités, hein, il est beau. Et c'est tout. Franchement, il est grave beau, il est plus beau que moi. Hein. Imaginez la bombe. Hyper vexant. Non, franchement, au début, je le trouvais tellement beau quand on s'est rencontrés qu'il m'impressionnait. Parce que je le trouvais pas que beau. Je le trouvais beau, drôle, intelligent, pas toxique. Il avait l'air de s'intéresser sincèrement à moi. Je me suis dit, attends, c'est quoi cette histoire là-haut? Il y a Anguille Sourache ou quoi? Il a une petite bite? Enfin, on n'est pas sur un micro-pénis non plus, hein, mais c'est juste que quand on le voit, on se dit pas genre « Wow! Mais c'est énorme !»
mais pourquoi cette jambe n'a pas de genou? Et du coup, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et on dit que l'amour dure 3 ans. Alors ça, par contre, c'est complètement faux. Hein. Franchement, si je suis hyper honnête, 1 an et demi. À tout péter. Et moi, heureusement, au bout d'un an et demi, il m'a demandé en mariage. Donc ça a un peu relancé le truc. Et depuis, donc ça fait 5 ans qu'on est mariés. Depuis, bah, j'attends que la mort nous sépare. Et le mariage, c'est drôle parce que ça te permet de découvrir un truc sur l'autre que tu ignorais totalement. Moi, par exemple, c'est grâce au mariage que mon mari a découvert que la Blandine marrante, pétillante, pas prise de tête, n'existait pas. Non, grâce au mariage, il a découvert mon vrai visage. Il a découvert qu'en vrai, j'étais légèrement excessive, hystérique, possessive, impulsive, émotive, bordélique, colérique. Mais pas jalouse. Non, je suis pas du tout jalouse. Je l'ai même déjà envoyé en club de striptease. Vous savez, cet endroit où on glisse de l'argent dans ce qui reste de la tenue de l'artiste. Et ce soir-là, bah, il s'était fait 1200 euros. Et je suis pas du tout jalouse parce que je sais exactement ce que je vaux et je sais qu'il trouvera jamais mieux que moi. En même temps, s'il me quitte, qui voudrait d'un eunuque aux yeux crevés? Et puis grâce au mariage, il a surtout découvert mon vrai visage au sens propre. Il a découvert qu'en vrai, bah, j'étais moche. Alors là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oh, arrête Blandine, t'es grave mignonne. On dirait pas que t'as pris 25 kilos pendant ta grossesse. Je te baise. Oh. Mais merci. Mais en fait, là, ça va vous paraître dingue, mais si je fais illusion, c'est parce qu'en fait, là, je suis maquillée. Voilà, c'est tout. Vous savez qu'il y a des filles, quand elles se démaquillent, elles changent de visage. Moi, quand je me démaquille, je change de sexe. Un homme. On m'appelle monsieur. La dernière fois, à l'épicerie, j'avais pas épilé ma moustache, on m'a appelé chef. Mais bon... Mon mec peut pas trop se plaindre, hein, parce que lui, pour changer de sexe, il lui suffit de prendre un bain d'eau froide, alors... Et des fois, je me dis, mais comment on a fait pour en arriver là, alors qu'on s'aimait tellement au début? Je me rappelle, au début, tellement je l'aimais. Tout ce qu'il me racontait, ça me fascinait. À chaque fois qu'il parlait, j'étais là, oh, mais c'est pas vrai, mais c'est incroyable! Alors que maintenant, à chaque fois qu'il parle, oh, c'est incroyable. Ah, parce qu'en plus, c'est ça la chute, là? Attends, tu m'as raconté tout ça, là, pour ça? C'est chaud. Tu sais quoi, on va faire un pacte, toi et moi? Considère qu'à chaque fois que ça concerne ton vélo électrique, bah, j'en ai rien à foutre. Et au début, tellement je l'aimais, j'avais pas faim. J'oubliais de manger. Non, mais qui oublie de manger? À part les connasses qui n'ont pas les cuisses qui se touchent, là. Vous savez ce que je dois faire, moi, pour pas avoir les cuisses qui se touchent? Le grand écart. Et je sais pas le faire. Moi, j'ai tellement les cuisses qui se frottent qu'en été, j'ai une légère odeur de bacon qui me suit partout. Et c'est pas pour me déplaire. La légende raconte que si je fais Koh-Lanta, en un jour avec mes cuisses, je fais du feu. Et donc, au bout de 3 ans de mariage, ça nous semblait évident, on a fait un enfant, histoire de vivre à nouveau avec quelqu'un qu'on aime. Et je vais vous laisser là-dessus, la cigale. Merci beaucoup, c'est tout pour moi, c'était Blandine Leroux. C'est notre Will Smith à nous, sauf que lui, il va vous gifler avec ses vannes. Nick Mukoko. J'ai même pas mis de chaussettes, là, putain. Comment ça va, la cigale? Vous êtes là ou quoi, ce soir? Ouais, ça fait plaisir d'être là. Moi, je suis content parce que je suis papa d'un garçon de 13 ans, là, ça y est, c'est un ado. Je kiffe. Enfin, je suis beau-père, tu vois, je l'ai connu lorsqu'il avait 4 ans. Là, il a 13 ans, c'est top, parce que je suis plus obligé de faire le papa, tu vois. Je peux parler avec lui comme si c'était mon pote. Ouais, tu regardes quoi sur YouPorn? C'est mon délire. Moi, c'est je kiffe. Envoie-moi la vidéo, mec. Seul truc naze, c'est que moi j'ai 32 ans, tu vois, il a 13 ans, donc on est à peu près à 20 ans de différence, donc on est un peu dans la même génération, on kiffe les mêmes trucs. Ça c'est nul. Tu vois, là il a envie de s'acheter une paire de Jordan 5. Genre, enfin, il veut que je l'achète une paire de Jordan 5. Elle coûte 350 euros la paire. Wow. Et moi je la kiffe cette paire aussi. Et je me vois mal faire deux fois 350 euros là. Donc je suis obligé de faire un choix. Et comme c'est pas vraiment mon fils.
Je vais la prendre en 44, c'est ça que je vais. Ah, je le kiffe. En ce moment, il veut que je l'aide à avoir. Il me demande des conseils pour l'aider à avoir de la répartie quand ils s'embrouillent au collège avec ses camarades. Des fois, ça arrive. C'est des enfants, tu vois, des ados, ils s'embrouillent. Et moi, je suis nul en embrouille. Vraiment très, très nul. Il y a quelques jours, je me suis pris la tête avec quelqu'un et je repense encore à ce que j'aurais pu dire. C'est que là, maintenant, que j'ai une punchline de ouf. C'est pas chiant, relou ça, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, la personne elle est là, il n'y a rien qui sort dans ta tête. La personne part et tu dis « mince, pourquoi j'ai pas dit ça comme ça ?» Elle revient, j'ai encore des trucs à dire, mais tu... Oh merde. Peut-être tu te réveilles le soir chez toi à 2h et l'embrouille est terminée depuis longtemps, t'es là, tu dis « c'est ça que j'aurais dû sortir !» Il y avait un truc à faire sur son t-shirt, Mickey, là, il y avait un... T'étais prêt à l'appeler, demain on s'embrouille, j'écris un texte pour toi, t'es mort. Ah, t'es pas là demain. Ah, parce que s'embrouiller, c'est dur, ça demande d'être au tac au tac, tu vois. Tu dois avoir un texte qui intimide la personne en face de toi, tiens. Même si t'es pas dangereux, ton texte, il doit faire peur, tu vois. Parce que si t'as quelqu'un qui arrive, qui te dit ta gueule, tu peux pas arriver et dire c'est celui qui dit qui ça marche pas. Tu dois sortir un truc de rappeur, tu sais, genre je vais te briser les os, je vais boire ton sang, ah. Bah, c'est Caris qui avait sorti ça à Booba, je vais te briser les os, boire ton sang. Moi j'étais là impressionné, je dis je peux jamais sortir un texte comme ça, moi je vais niquer la phrase, c'est sûr. Je vais boire ton sang, mais est-ce que t'as fait ton test PCR avant et tout, mon gars? Je suis en bonne santé à la base, tu vois. Moi, le truc, c'est que j'ai peur. Quand je m'embrouille avec quelqu'un, j'ai peur. Et j'ai pas peur de la personne en face de moi, j'ai peur de moi, tu vois. J'ai peur pendant l'embrouille de pas pouvoir connecter mon cerveau avec ma bouche. Non. Non, parce que mon cerveau, il est au top. Il dit des trucs de dingue, je t'assure, t'es à l'intérieur, tu flippes, mec. Mais ma bouche, elle est vraiment teubée, elle dit autre chose. Je vais te casser le sang, je vais boire ton cul, viens tout de suite, mon gars. Pourquoi j'ai dit ça? Attends, 2000, j'ai un autre texte, putain. Donne-moi ton numéro, je t'appelle demain, je vais. Non. Je parle de ça, mais je déteste la violence, hein. Je vous assure, je déteste la violence et tout. Mais après, on est tous amenés à vivre une situation où il faut avoir l'ascendant sur quelqu'un, tu vois. Tous. Tu vois, j'imagine, c'est ta copine, tu vois. C'est ta copine. Imagine, ce soir, tu sors, il y a un mec qui bouscule ta copine, bah, elle tombe. On est d'accord, t'es obligé de faire quelque chose, tu vois. Même elle, elle va te regarder, pourquoi tu rigoles, fais quelque chose, bouffon, tu vois. T'es obligé. Un mec qui bouscule ta meuf, t'es obligé. Un mec, reviens ici, plus jamais tu bouscules ma meuf, c'est ma meuf, je l'aime. Je l'aime, c'est ma meuf. Tu fais ça, respect, mec. Parce que moi, pareil, un mec qui bouscule ma copine dans la rue, c'est qu'elle a fait un truc qu'il fallait pas. Voilà. Alors, je sais pourquoi je dis ça, je la connais, traînez pas avec elle. Vous allez vous battre pour rien. Une fois, on est à une soirée, il y a un mec un peu bourré, tu sais, il lui rentre dedans, elle le pousse, le mec il s'énerve, elle fait bébé, fais quelque chose. Je fais, moi, je suis pas son bébé, je suis gay, je la connais pas, mon gars. À la limite, je te suce, mais je me bagarre pas avec toi, mon pote. T'es fou, qu'est-ce que je vais faire? Casser son sang, boire son cul, c'est tout ce que je peux faire, mais malade. M'appelez pas s'il y a une bagarre, m'appelez pas s'il y a une bagarre. Je sais que j'ai un corps d'un mec qui fait du sport. Ouais, je fais du sport, mais le sport, c'est pas pour se battre. Ouais, le sport que je fais, c'est juste pour mettre des stories Instagram, t'es fou, mec. Non, mec, faire du sport, c'est juste, c'est pour se sentir mieux, tu vois. Sentir mieux, l'estime de soi, enlever le stress et tout, c'est tout, tu vois. C'est pas pour se battre, tu vois. Et c'est ça qui m'énerve, tu sais, quand tu fais du sport, que les gens voient que tu fais du sport, c'est que tu deviens responsable de tout ce qui requiert de l'effort autour de toi, tu vois. Tu sais, les gens, ils veulent te demander des services, tu vois, mettre tes muscles au défi en demandant un truc simple. Hey, comme t'es musclé, ouvre la bouteille d'eau, on va voir si t'es fort, mec. Hey, comme t'es musclé, porte la table, on va voir si t'es fort. T'es musclé, regarde le code wifi derrière la boxe, on va voir si t'es fort, mec. Et ça m'énerve, ça, parce que tu demandes jamais ça à un gros, tu vois. Et comme t'es gros, mange le dernier paquet de chips, on va voir si t'es gros, là, mon gars. Allez, lâche-toi, j'ai rajouté du miel, fais-toi plaisir, mec. J'adore cette blague, elle est vraiment drôle, tu vois. Je l'ai fait à mon pote, c'est qui est gros, tu vois. Je lui ai fait cette blague, il m'a dit, il où le paquet de chips, là, mec. C'est mon pote, c'est le mec le plus cool de la Terre, mais il m'énerve. Quand je marche avec lui, il m'énerve, parce que c'est le genre de mec, quand tu marches, il sait pas marcher, tu vois. Je connais ces gens, on a déjà tous croisé ce mec-là qui marche dans la rue, il sait pas où il va, il marche. Ça m'énerve. Moi, je suis le genre de mec, quand je marche, faut pas niquer mon rythme, tu vois. J'ai un plan, un rythme, je sais où je vais, tu vois. Je marche, je suis là, je sais, tu vois, je marche, tu vois, je sais. Il y a le métro là-bas, je sais, je suis dans le rythme, j'ai mes écouteurs, il y a une pierre, je saute, tu vois, je sais. Et je déteste tomber sur le mec qui marche devant toi, lui, il sait pas, il est là. Tu sais, tu t'écartes à droite, lui, il s'écarte à droite, là, c'est là. Puis à un moment, sans prévenir personne, il fait ses lacets, toi tu le ken en marchant. T'es obligé de le sauter, excuse-moi, je t'avais pas vu, putain. Niquez ma life, là. C'est le même mec que tu retrouves au McDo, il sait pas ce qu'il veut commander. Comment tu veux pas savoir ce que tu veux commander? C'est le McDo, mon gars, c'est le McDo. Ça fait plus de 70 ans que c'est là, c'est les mêmes menus, tu peux pas ne pas savoir. C'est les mêmes menus, tout ce qu'on rajoute, c'est CBO, Big Tasty, boîte de vin, c'est tout. Tu peux pas arriver, je prends quoi? Il y a des écrans partout, je vais...
Bah, je vais prendre un café. Wow, je crois que t'es au Starbucks, chien, mec. C'est le McDo, mec, t'es pas au Starbucks. Moi, quand je suis au McDo, je sais ce que je veux, tu vois. Tu mets un menu Big Mac, frites, Coca-Cola, son glaçon, et un sundae caramel avec des cacahuètes, tu vois. Je gère, mec, je gère. Quoi, y a plus de Big Mac? Merci d'avoir écouté ces vidéos, merci beaucoup. Les prochains Sevan sont aussi impressionnants que son physique. Guano! Coucou la cigale, ça va? Ouais. Wow, putain, vous êtes tellement nombreux, ça fait plaisir. Alors je vais tout de suite répondre à une question que vous êtes en train de vous poser. Je prends des trucs, ok? Comme ça, on peut passer à la suite. Je me présente, moi je m'appelle Guano, comme le caca des oiseaux. Prénom de merde. Moi je viens d'un petit village perdu dans les montagnes catalanes. Et quand je vous dis petit village, je vous prends pas pour des cons. Moi je viens d'un bled de 22 habitants. 22 habitants, ça veut dire que dans mon village, soit tu fais partie de ma famille, soit t'es pas du village. Voilà, elle est là, la vérité. 22 habitants, ça veut dire que là, parce que je suis en train de parler avec vous ici à la Cigale, il y a plus que 21 habitants dans mon village. 22 habitants, ça veut aussi dire qu'on n'a pas les mêmes problèmes que vous. Par exemple, nous, le dernier truc de ouf qui s'est passé dans mon village, c'est quand les caméras de télé sont venues faire un reportage sur la réintroduction de l'ours dans la forêt en face de chez moi. Et c'est rigolo parce qu'en général, quand je parle de ça à Paris, j'ai toujours un Parisien qui se ramène en me disant « Non mais attends, mais tu déconnes! L'ours est de retour dans les Pyrénées! Non mais attends, mais c'est top! Ah bah je te rappelle qu'il s'appelle quand même l'ours des Pyrénées quand même! Hein. Ah bah c'est top, hein, c'est toute la biodiversité qui se remet en place! Ouais! C'est le biote et le symbiote qui ensemble vont reconstruire la nature qu'on appelle Gaïa, quoi, je veux dire, c'est le miracle de la nature! Ferme ta gueule, c'est quoi? Ferme ta gueule! Va t'acheter un Spritz, étouffe-toi avec, là voilà la vérité! C'est ouf ces gens, c'est qui te donnent des leçons alors qu'ils viennent même pas du même bled, quoi. C'est comme si moi, je me ramenais à Paris en disant à des Parisiens, non mais attends, mais tu déconnes, les fumeurs de crack sont de retour sur la colline. Attends, mais c'est top, hein. Mais je te rappelle que ça s'appelle la colline du crack quand même, hein. Ah bah tu vas voir, hein, c'est toute la biodiversité de l'hépatite C qui se remet en place. C'est le biote et le symbiote qui vont faire combattre chez toi. Il y a un mec qui se chie dessus pendant qu'il chante du Djoul tous les soirs. Le miracle de la nature. C'est ouf, c'est des a priori tout ça. On a tous des a priori, mais quand tu vis dans un petit village, t'es obligé de t'habituer aux a priori de tout le monde. Je sais que vous, là, ce soir, dans cette salle, je sais que derrière leur écran, les gens, vous avez tous des a priori sur les petits villages. Tenez, on va faire une petite expérience, ok? Imaginez, projetez-vous dans un village de 22 habitants. Je sais qu'à partir de maintenant, pour vous, dans vos têtes, vous voyez un tout petit village au milieu de la forêt avec des petites maisons en pierre apparente. Si on zoome un peu plus près, on voit un homme passer dans ce village. Cet homme, il possède une chemise à carreaux rouge et noir. Il marche avec une petite hache sur l'épaule parce qu'il coupe du bois. C'est sa passion de couper du bois. Le premier truc qu'il fait le matin quand il se lève, c'est ouvrir les fenêtres, ouvrir ses volets et chanter face à la nature. Et là, grâce à la magie de sa voix, des animaux sauvages se ramènent à la maison pour faire le ménage, la vaisselle ou tondre la pelouse. Et... couis-je, qu'acoustique-je, on dirait les bruits d'un sabot qui claque une rue pavée. Oh, c'est Émile, son voisin, qui passe en calèche. Salut Émile, comment ça va? Eh ben, ça va, et toi? Ah ben, ça va super, merci. Et ta fille, ça va mieux? Oui, le druide est passé hier soir à la maison. Et on est rassurés. On avait peur que la petite ait la peste, finalement ce n'est que le typhus. Oh, bonne nouvelle, Émile, bonne nouvelle. Et où vas-tu comme ça avec ta calèche? Je vais en ville acheter du pain. J'espère être rentré avant la semaine prochaine. Courage, Émile, courage, bon voyage. Et une fois à la ville, n'hésite pas d'essayer ce qu'ils appellent les toilettes. Tu vois, la vérité, elle est là. La vérité, c'est que vous nous situez entre le Moyen-Âge et un Disney, pile entre les deux, tu vois. Alors que nous, on est comme vous. C'est-à-dire que quand moi, j'ai appris qu'il y avait un ours dans la forêt en face de chez moi, ma seule réaction, c'était de me dire « Waouh, je veux pas mourir en allant me promener », tu vois. Parce que les animaux sauvages, ça te prévient pas quand ça t'attaque. Aucun animal sauvage te prévient avant de t'attaquer, c'est pas vrai. Il y a le cerf pendant la période du brame. Alors qu'est-ce qu'un cerf? Très bonne question que tu n'as pas posée. Le cerf, c'est en fait un espèce de cheval des montagnes avec des cornes qui se promène comme ça dans la forêt. Il se prend pour le roi, lui. Et il faut savoir que pour sa période de reproduction, le cerf, il ne baise pas pendant 11 mois. Mais quand je vous dis il ne baise pas, il fait rien, pas une branlette que dalle. Hein. C'est-à-dire que quand tu croises un cerf à cette période de l'année, tu dis ça va, il te dit ça va. Super.
Et le 12e mois de l'année, le cerf, il se réveille un matin en se disant « Bon, c'est aujourd'hui. » Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il monte en haut de la montagne le plus haut possible. L'idée, c'est que tout le monde puisse l'entendre. Et il hurle à la terre entière qu'il a envie de nous ken. C'est ce qu'on appelle le brame. C'est un cri du genre... Ce qui sent, en gros, si vous voulez, c'est l'équivalent humain d'un mec bourré 4h du matin qui sort de boîte et qui hurle dans la rue... Baiser ! Alors, je vous déconseille de vous promener en forêt à cette période de l'année, vraiment. Je veux dire, c'est hyper dangereux. Les cerfs, c'est des violeurs, ils en ont rien à foutre du consentement. Je veux dire, toi, t'es là, tu refais ton lacet. Oh putain, qu'est-ce qui vient de se passer? Tu te retournes et il y a un cerf qui te fait un clin d'œil en te disant merci pour la nuit, beau gosse. Les cerfs, c'est des violeurs, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, ils violent tellement les cerfs, je suis sûr, dans 2 ans, il y en a un, il est dans le gouvernement de Macron, c'est obligé. Je veux dire, les cerfs, ils peuvent s'asseoir à la table de PPDA, Darmanin, Polanski et leur dire posément qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ils en ont rien à foutre, les cerfs. Après, je vous parle des cerfs et tout ça, parce que je sais que votre rapport aux animaux à la ville, il est complètement éclaté. Les animaux à Paris, c'est des fils de pute. Enfin, je veux dire, ils ont trop traîné avec les humains. Ils sont devenus pires que nous, les animaux à Paris. Histoire vraie. Il y a pas longtemps, moi, il y a un caniche qui m'a pissé sur les pieds. Et pendant qu'il me pissait sur les pieds, il me regardait dans les yeux, le bâtard. Il était en mode, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai levé la tête, j'ai regardé son maître, et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Merci de m'avoir écouté. Merci, je m'appelle Guano. Des bisous. Le prochain est auteur, comédien, réalisateur et pour notre plus grand plaisir, stand-upper, Dicoche. La cigarette que ça va. Allons-y alors, allons-y. Je suis papa depuis peu. Merci, merci. Bon, je dis depuis peu, mais il a 7 ans. Ma femme est blanche et on a eu un enfant qui est sorti blanc. Genre quand je vous dis blanc, c'est genre j'ai un petit Gérard qui se balade chez moi, genre. Ma mère, quand elle a vu pour la première fois, elle a dit ça c'est de la sorcellerie. Moi je pensais que c'était un espion envoyé par la CAF. Vous savez à quel point c'est dur d'être noir et d'avoir un enfant blanc? Vous savez à quel point c'est dur de regarder son fils tous les jours droit dans les yeux et de se dire qu'il trouverait un taf avant moi? Je suis jaloux de cet enfant. Je suis jaloux parce qu'il connaîtra jamais la discrimination. Tu sais, du coup, des fois, je le prive de dessert sans raison. Tu sais, il est là, papa, pourquoi est-ce que t'es aussi méchant? Je le regarde et je lui fais, ça, c'est pour l'esclavage. Ah, arrêtez. J'essaye de pas être un père vulgaire. Mais j'aime beaucoup trop le rap. Vous connaissez Caris? Caris a sorti un son, son commence par pute. Et au cas où t'aurais pas compris les paroles qui suivent, c'est « j'ai dit pute ». Moi, j'étais tranquillement en train de rouler dans ma voiture, il y avait mon fils derrière, j'écoutais la radio, et à un moment, j'entends « et tout de suite, le dernier son de Caris ». Moi, je suis là « non, 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 non ». J'entends « pute ». Je vois mon fils derrière moi « j'ai dit pute ». Mais qui est cet enfant? Il l'a dit avec plus de conviction que Caris. Je veux qu'un enfant, moi. Je veux qu'un seul enfant, parce que ça demande trop de temps, trop d'énergie. Je l'ai dit à ma femme. Je l'ai dit à ma femme, on ne fait qu'un seul enfant. J'ai eu un deuxième enfant pendant le Covid. Et j'ai assisté à la naissance de mon enfant. Et vous savez ce que j'ai retenu en tant qu'homme de l'accouchement? C'est qu'on sert à rien. On sert à rien. J'avais l'impression d'être un jour férié qui tombe le dimanche. Ma femme était là. Elle était en position pour accoucher, elle avait les jambes en hauteur, un drap sur ses jambes. Moi, j'étais à sa droite. En gros, j'avais vu sur une espèce de tente quechua. Puis là, la sage-femme me dit, mais monsieur, dites quelque chose pour encourager votre femme. Moi je ne sais pas quoi dire. J'étais là, j'ai vu qu'elle était en train de transpirer. J'ai dit une chose tellement conne. J'ai dit, tu veux un iced tea? La sage-femme me dit, monsieur, faites le tour, venez voir quand votre enfant sort. Je lui dis, non. T'es... Elle me dit, viens, tu sais, j'y vais, je fais le tour, et là, je vois l'intérieur de la tente quechua. Moi, j'ai pas l'habitude de la voir dans cet état, tu sais. Je suis gêné, je fais une blague. Je dis, chérie, tu t'es pas rasé. P
personne ne rigole les bâtards. Tout le monde me regarde l'air de dire « Ah, c'est toi l'humoriste !» Nul. La sage-femme me dit « Monsieur, vous allez m'assister pour faire sortir votre enfant. Et pour cela, j'aurais besoin que vous mettiez votre main avec moi à l'intérieur. » Je mets les mains à l'intérieur. Mais moi, les gars, par réflexe, je fais ça. La sage-femme me regarde dépité, genre. Ma femme pousse. Elle pousse. Ma femme pousse. Et moi, faut savoir qu'à la base, je voulais une fille. Sauf que quand elle pousse, je vois que c'est un garçon. Je le repousse à l'intérieur. La sage-femme finit par sortir l'enfant. Elle sort l'enfant, tu sais. Et elle le tient à une main, comme ça, comme une pro. Et elle nous le présente comme une bouteille de vin. Elle nous dit, vous allez l'appeler comment? Je lui dis, bah, vu comment tu le portes, je pense que je vais l'appeler Beaujolais Nouveau. Elle prend Beaujolais Nouveau, elle met sur ma femme. Et moi, je réfléchis à la scène. Je me dis, il y a du personnel médical qui est en train de bosser juste parce que moi, il y a 9 mois, j'ai honoré ma femme. Et celui-là, en train de me chauffer tout seul, je suis là, tu peux être fier de toi, Dicoche. Tu crées la vie et des emplois. Ah. Moi, j'avais peur. J'avais peur d'avoir des jumeaux en premier enfant. Et je suis tombé sur un article. Il y a une daronne qui a accouché de 10 enfants d'un coup. La go a accouché de la moitié de la Seine-et-Marne. Son accouchement, les enfants sortaient comme du pop-corn. T'avais une sage-femme avec un panier pour attraper les enfants. Où ça? Là, le médecin qui faisait la circulation, comme sur une piste d'atterrissage. Je suis sûr, le premier enfant, il a dû sortir comme Moïse. Suivez-moi, peuple élu! Le dernier, il est sorti en glissant tout chousse. Ouh! Hey. Je suis sûr que cette baronne, le jour de sa première échographie, elle a dû demander au médecin, c'est un garçon ou une fille? Le médecin lui a répondu, c'est une colocation, madame. Merci de m'avoir écouté. Mon nom est Dicoche. Vous avez été un public extraordinaire. Bonne. C'est sa première participation à Génération Paname. Une ovation pour Thomas Si. Bonsoir la cigale. Faites du bruit pour vous, s'il vous plaît, les amis. Et stop. Le charisme. Bon, les amis, je suis très content d'être avec vous. Je suis très content parce que là, ça fait 2 ans que les blagues me payent à manger. Et j'ai perdu que 10 kilos. Donc, mon médecin me dit, Thomas, soit c'est un ver solitaire, soit vous êtes vraiment pas marrant. Donc, c'est pas un ver solitaire. Merci. Merci beaucoup. Si ça vous plaît, vous pouvez me retrouver tous les mardis 18h à l'hôpital Bichat. Vraiment, je compte sur vous. Putain, les amis, Paris, c'est une ville formidable. En venant ici à vélo, je me suis fait traiter de connard par une trottinette parce que j'ai respecté un feu rouge. Et je crois que le pire, c'est que personne n'est surpris dans la salle. Vous êtes tous là, bah oui, qui s'arrête au feu rouge, il est con, lui. Je te jure, on a eu l'embrouille la plus parisienne de tous les temps. Le gars m'a fait « Bah !» J'ai dit « Ah !» Et on s'est quitté. Et en vrai, c'est impossible de s'embrouiller avec un mec qui est sur une trottinette, je le sais, parce que le gars m'a dit « Connard !» Moi, j'étais genre, oh, trop mignon, reviens ici, je te donne un kinder, reviens, mon chéri, oh. Bon, les amis, j'ai pris un coup de vieux terrible, là, je t'explique. La nuit dernière, j'ai fait pipi 5 fois. Et je suis allé aux toilettes que 4 fois, donc là... Mauvais signe, mais il y a pire que ça, il y a pas longtemps, j'ai joué à Motus. Et j'ai kiffé, donc... En plus, là, il y a pas longtemps, c'était mon anniversaire, ma mère me l'a pas souhaité. Et vous trouvez pas que c'est le truc chiant avec les gens qui sont morts? Vous étiez pas prêts, hein, pour celle-là. Mais il reste 4 minutes là-dessus, donc lâchez-vous. Là, je sais que c'est un sujet qui peut bloquer certaines personnes. Souvent, c'est les gens qui n'ont pas été confrontés au deuil. Prenez-le comme un tuto. Vraiment, prenez-le comme un tuto. Il y a une blague hardcore, mais les autres sont... Vous allez kiffer. Et dites-vous bien que ma mère ne s'est jamais plainte du sketch. Donc vraiment... Du coup, il n'y a pas longtemps, j'ai dispersé ces cendres. Qui l'a déjà fait par applaudissement? Attends, donc toi,
T'as dispersé les cendres de ma mère? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que t'es d'accord que c'est un sujet un peu tabou? Tu vois, elle arrive même pas à en parler, la pauvre. Non, mais heureusement, je suis là. Non, mais les autres, va sur Instagram. T'as déjà vu une story dispersion de cendres? Jamais. Alors que ça ferait des super boomerangs. Ou des ralentis, tu vois, des... Mais surtout des boomerangs, hein. Tant que ça rigole pas assez, je continue, hein, donc... Merci, et je savais pas qu'on te laisse des instructions extraordinaires. Ma mère, elle nous a dit disperser mes cendres soit en Provence, soit aux Seychelles. Eh ben, on se fait pas chier, dis donc, les Seychelles, quoi. Moi, j'osais pas le dire à ma copine, j'avais peur de sa réaction. Oh, les Seychelles, juste tous les deux. Presque. Deux et des poussières, voilà, deux... Et des poussières. J'ai pas pu aller aux Seychelles. J'ai un pote qui m'a dit « Ah, c'est parce que t'as pas fait ton deuil. » C'est parce que j'ai pas fait d'oseille. C'est deux choses vraiment très différentes. Non, mais je te jure, en plus, disperser des cendres, c'est comme retourner un colis Amazon. Si tu le fais pas dans les trois semaines, ça reste dans l'entrée. Vraiment, c'est pas... Au crématorium, ils m'ont dit un truc qui m'a fait sauter le cerveau. Ils m'ont dit « Monsieur, en France, c'est interdit de disperser les cendres dans la nature, mais également interdit de les garder chez vous. » Genre, je suis censé faire quoi, les bouffer? C'est quoi le... Alors, je fais un carrot cake, hein, un crumble de daronne? C'est quoi le projet, là? Ou alors, je fais comme Keith Richards, qui a... sniffé les cendres de son père. C'est pas moi qui l'ai fait, hein. Vous me regardez genre « Mais t'es un monstre !» Non, c'est pas moi. Putain, le gars, ceinture noire de toxicomanie, quand même. Hein. C'est-à-dire, le gars, tu l'amènes dans un crématorium. Dans sa tête, il est à Amsterdam, tu vois le... Mais du coup, quand tu disperses, mais t'es en stress de ouf, parce que c'est illégal, tu sais, tu te sens comme un mafieux débutant qui se débarrasse de son premier corps. T'es là, chut, tonton, on va se faire cramer, là. Tu rigoles parce que j'ai dit cramer, t'es trop con, c'est pas possible, putain, c'est pas possible. Je me demande ce qui se passe si les flics, ils t'attrapent en vrai. Pop, 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 monsieur, vous allez ramasser tout ça, Francis, ramène la balayette. Monsieur, vous allez faire la poussière, je veux pas l'entendre, là. En plus, on a en tête les images de films. Dans les films, c'est stylé, tu sais, c'est champs d'olivier, soleil couchant, au revoir. Dans la vraie vie, il y a du vent. T'as de l'eau, là, c'est pour faire passer la daronne, c'est... C'était ça, la blague hardcore, vous en faites pas. Et je finis par trouver un petit endroit cosy, des petites vignes. Je vous conseille la cuvée 2020, un chouïa de dépôt, mais vraiment une douceur. Et je commence à disperser, ok, donc je suis là. Putain, ils en ont mis plusieurs, là. C'est pas la daronne, c'est la dune du Pilat, putain. Les amis, des litres et des litres et des litres. Ah bon, il y en a tellement, t'es là, bon, bah, je vais faire des petits tas. Voilà, des... Des petits tas de daronne, un petit tas ici, un petit tas là. Alors je me dis, mais j'ai assez pour faire un château de sable en fait là. Allez, on n'oublie pas le petit drapeau en haut. Pas n'importe lequel, le drapeau des Seychelles, je te mets pas bien là. Tu sais, tu regardes le truc dans les films, la poussière elle est belle, blanche, majestueuse. Dans la vraie vie, c'est gris, avec un peu comme des grumeaux. C'était ça la blague hardcore en vrai, d'accord, c'était celle-là, il y en a plus. On dirait de la litière. Et À un moment, je vois un chat passer, je me dis potentiellement, il peut y avoir un quiproquo tragique. Là, ça peut très, très mal se passer, mais en vrai, c'est des moments importants. Moi, ça m'a permis de reconnecter avec ma mère. Ma mère, elle m'avait beaucoup soutenu dans le fait de faire du stand-up. Je me souviens une fois, elle m'a dit, Thomas, tu sais, t'as vraiment tout, il te manque juste un sketch pour percer. Donc, merci maman et merci à vous de m'avoir écouté, les amis. Merci beaucoup. Vous pouvez entendre sa voix sur France Inter. Vous allez le voir en chair et en os. Ayoub Marceau. Et j'ai plus mon chien, un oiseau et quatre idées. J'ai un peu plus cher aux hommes, c'est de la qualité. Le flic, personne n'en fera au reste. Ça va la cigale, vous allez bien? Oui. Yeah, super, merci beaucoup, ça va, vous avez de l'énergie encore, vous êtes là? Cool, vous passez un bon moment, c'est top. C'est génial hein, ce qui se passe, hein. Ouais, c'est super. En tout cas, vous me regardez chelou un peu, ça va, tout va bien? Je vois dans vos yeux, vous vous dites c'est bien, tu peux faire du stand-up et vendre de la drogue en même temps. C'est vraiment ce que je reçois, quoi. Non, moi je vends pas de drogue, je fume pas de drogue, voilà, j'ai les yeux rouges parce que je fais beaucoup de natation. Voilà, vraiment, c'est... Alors si on a le public qu'on mérite, ça fait plaisir, vraiment, c'est... Non, c'est le chlore, quoi, il y a trop de chlore à la piscine, on en parle pas assez, c'est un vrai truc, le chlore, c'est un vrai problème, là, on en parle pas. J'espère qu'on va en parler aux prochaines élections, parce que là, c'est un vrai problème. Hein. Non, mais là, il y a plus de moutarde, plus d'essence, mais je veux dire, il reste du chlore, c'est sûr et certain, quand vraiment, ça...
Non, mais des fois, je vais travailler les bras à la piscine. Il y a que les yeux qui travaillent. C'est abusé, quoi. Vraiment, c'est... ça va être que ça pendant 10 minutes, le chlore. J'en ai rien à foutre, moi. Vraiment, c'est... moi, j'ai aucun message à vous faire passer. Tout va bien dans ma vie. Je suis en guerre contre le chlore. C'est pour ça que j'ai mis un pantalon comme ça. Voilà, vraiment, c'est... non, ça... en plus, les maîtres nageurs, ils m'énervent parce qu'ils te parlent de tout, sauf de la natation. Quand tu vas. Que ils te parlent du... jamais ton crawl, il est bien, ta nage, elle est bien, que ton short. Je suis désolé, monsieur, le short, c'est pas bon. Ouais. Je suis désolé, c'est pas possible. Ouais. Désolé. Ouais. Et après, il te dit rien, il te fixe. Désolé, quoi. C'est vraiment... c'est, même pas, il te dit de partir. Il te... ouais, c'est pas moi qui fais les lois, mais... ouais. Tu fais juste plouf, il a perdu. Hein. Vraiment, c'est abusé, quoi. Vraiment, c'est... mais monsieur, quand vous dites le short, je comprends pas, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'hygiène? Ah ouais. Bah apparemment, il y a le chlore qui le protège, donc faut savoir que vraiment, c'est, ça va que dans les eaux, ça sert à rien, quoi. Vraiment, c'est... non, moi, j'ai pas de combat. Si, je peux vous parler de l'eau de Javel, si vous voulez. Voilà, j'ai pas de... je trouve que le Javel se sent trop fort parce que ça lave, c'est pareil, quoi. Vraiment, c'est abusé. Non, mais le chlore, ça, c'est... moi, ça m'énerve. Tu sais, des fois, je veux... j'ai essayé les lunettes de piscine, mais le chlore, il reste dedans. Donc, ça sert à rien, quoi. Vraiment, c'est... ça va être que ça pendant 10 minutes, vraiment. Vraiment, ça vous attendez pas. Moi, tout va bien dans ma vie, j'ai encore de l'électricité, tout va bien. Vraiment, c'est... après, la piscine, ça va. En fait, la mer, j'y allais à la mer, mais c'est trop loin, c'est chiant, quoi. Et en plus, à la mer, t'es pas à l'abri, y'a un mec qui vient, mais du chlore partout. C'est ça qui est relou, quoi. Vraiment, ça... après, la piscine, c'est 4 euros, ça va, c'est pas non plus un truc de fou, quoi. Mais si tu dois mettre 80 euros d'ophtalmo, ça fait 84 euros la piscine, c'est relou, quoi. Vraiment, ça... non, ça fout vraiment la merde, le chlore. Ça fout vraiment la merde. On dit les Arabes, y'a le chlore aussi, hein. Vraiment, ça... vraiment, ça... non, c'est vrai, c'est abusé. Je me suis fait arrêter, là, en plus, par la police, parce qu'ils pensaient que j'avais fumé. Alors que c'est le chlore, mais je pouvais pas leur dire, quoi. C'était, et c'était même pas la police, c'était la mairie de Paris, en plus. Ils peuvent t'enlever des points, te dire de faire tes lacets, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Vraiment, c'est... après, j'ai pris un sens interdit, c'est normal, mais après, je vois rien à cause du chlore, quoi. Vraiment, c'est abusé, quoi. Et ils m'ont dit, monsieur, ouais, sens interdit. Je leur ai dit, vous avez pas le droit de m'arrêter, vous êtes pas de la police. Parce que, en fait, ils sont en vélo avec un sifflet. Je lui ai dit, moi, j'ai bien que tu m'arrêtes, mais va acheter une voiture, quoi. Vraiment, c'est... il est en sifflet, il y a aucun match. Pourquoi tu me siffles dessus, quoi. Vraiment, c'est abusé, quoi. Et là, il me dit, ouais, on va vous enlever 4 points. Je lui dis, non. Après, il me dit, si. Je lui dis, bah, ok, d'accord, apparemment, ouais, vraiment, ça, j'ai pas le choix. Et ils m'ont dit, je leur ai dit, pourquoi vous m'enlevez des points? Ils m'ont dit, parce qu'on a prêté serment. Je lui dis, oui, mais devant qui, en fait? Parce que si c'est votre sœur, ça compte pas, quoi. Vraiment, ça. Après, il me dit, non, monsieur, vous calmez, il y a une épreuve physique aussi. Franchement, quand je vois le physique, j'aimerais bien savoir c'est quelle épreuve. Vraiment, c'est quoi? C'est bowling, tir à l'arc. Et c'est vrai, ils ont le droit d'enlever des points. Et parce qu'à Paris, il y a des sens interdits partout maintenant. Tu roules sans interdit, sans interdit, sans interdit. Du coup, je fais quoi? Je reste là, moi. Je fais quoi? Je dois aller à la piscine, moi, j'ai des trucs à faire, quoi. Vraiment, c'est. Du coup, ils m'ont enlevé 4 points. Non, c'est vrai, je pense Hidalgo, elle se venge. Quand elle était petite, elle devait pas avoir le tapis avec tous les panneaux par terre là, qu'on avait quand elle était petite. Du coup, mais ça s'interdit partout maintenant, vraiment, c'est abusé. Et même ma nièce, elle était avec moi, je passe beaucoup de temps avec ma nièce, et elle essaye de rester avec moi, tu vois. Et c'est fou comment les enfants, ils te parlent de choses qu'ils ont rien à voir avec le moment, et dont c'est pas de leur âge. Moi, je l'emmène à la piscine, tu vois, et elle me parle de l'essence. Quel rapport? Elle me dit, ouais, tonton, ça va? Bah ouais, ça fait une heure qu'on est ensemble quand même, donc ça va bien, quoi. Elle me dit, ouais, je suis désolé de te dire ça, mais apparemment, il n'y a plus d'essence. Et c'est passé à plus de 2 euros, d'accord, ok. Et elle m'a dit, est-ce que tu vas continuer à venir nous voir? C'est mignon, tu vois. Je lui dis, oui, je continue à venir vous voir, mais je trouve pour un enfant de 10 ans, tu vois un peu trop ta gueule, quand même. Vraiment, ça... et là, elle me dit, non, mais c'est pas nous, on a vu ça à l'école, c'est très grave ce qui se passe. Tout. Je lui dis, non, mais ça va, il y a plus grave que ça. Je t'ai vu ce qui se passait en Ukraine et en Russie. Elle m'a dit, bah pourquoi, il a combien l'essence là-bas? Elle a pas compris la message. Allez, merci, c'était pour moi, c'était à vous. Merci beaucoup, messieurs, dames. À bientôt, merci. Vous pouvez la retrouver tous les jeudis à l'Apollo Théâtre, Marinella. C'est important d'avoir la même énergie. Je me pose la question en ce moment de savoir si ça existe vraiment la bonne personne, c'est trouver l'amour de sa vie. Je sais pas si ça existe. J'ai vu même Shakira, elle s'est trompée. Vous avez vu ça ou pas? Enfin, elle s'est fait tromper. Alors la pauvre, hein. Mais bon, je veux dire, on sait pas. Ça se trouve, tous les matins, elle réveillait son mec en mode lolé, 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 lolé. Et ça peut être pénible. Moi, là, je suis avec un mec et je sais pas si c'est le bon, d'accord, parce qu'on est très différents. Et j'ai demandé à ma mère, je dis, maman, comment on fait pour savoir si on a trouvé la bonne personne? Elle m'a dit, ma fille, écoute ton cœur et ton instinct. Alors moi, c'est mon instinct qui m'a fait quitter mon CDI pour faire du stand-up. Hein. Qui me connaît ici? Voilà. Tu sens que j'ai un instinct un peu claqué quand même, hein. Tu sais, c'est le même instinct à chaque fois que je vais faire les courses qui me fait choisir la mauvaise caissière. Tu sais, au début, je suis là, je la sens bien et tout, bonne énergie. 2 secondes après, Robert pour la caisse 5. Robert, il faut venir, le produit passe pas. Allez, Robert, mets les rollers. J'adore ce jeu avec le micro, j'aurais pas dû être caissière, mais chanteuse. Lolé, lolé, lolé.
Allez, Robert, viens, la dame, elle attend, elle a besoin du prix pour le lube. Il faut le prix du lube pour la dame. Sinon, elle va devoir y aller à sec. Très, très mauvais instinct, hein, que ce soit pour les mecs, pour les caisses, pour les queues, hein, finalement. Et ça, avec mon mec, on est très différents, mais je sais que ça peut fonctionner parce que moi, j'ai l'exemple de mes parents, 45 ans de mariage, et ils sont différents de ouf, d'accord? Et j'ai demandé à ma mère, je dis, maman, comment on fait, comment t'as fait pour savoir que papa, c'était le bon, match ma fille? 45 ans. Tous les jours, je me pose la question. Là, je le regarde, il est en slip sur le canapé, en train d'essayer d'attraper la télécommande avec ses pieds. La recherche continue. Ils sont tellement différents, mes parents, pour vous dire, ma mère, de base, elle est astrologue. Voilà, parce qu'on adore les métiers utiles, hein, dans la famille. Et mon père est médecin, parce qu'il fallait quand même un adulte responsable dans le foyer. Pour pas que je meure. Et tu sais, moi, quand j'étais petite, j'avais une amie imaginaire, Julie, je pouvais rester 4 heures dans la chambre, j'étais là, Julie, ma copine, viens jouer à la caissière, Robert Poiquet se seul. Et tu sais, mes parents, ils me regardaient comme ça, ma mère était là, mais regardez là, c'est trop mignon, elle communique avec son ange gardien. Mon père, il était là, ben non, attardé mental, en fait. Ma mère était là, mais non, elle est pas attardée mentale. Ben non, mais je parle pas de ta fille, là, Nadine, hein. La recherche continue. Non, c'est pour ça que je sais que ça peut fonctionner avec mon mec, on est très différents. Il est trop mignon, il essaye de me rassurer, il me dit, oui, mais tu sais ce qu'on dit, mon amour, les contraires s'attirent. Je dis, oui, mais on dit aussi que se ressemble, ça assemble. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, les gens qui font les citations sur Instagram, faut se mettre d'accord. Non, parce que moi, ça me rend folle, clairement. Tu sais, je peux changer d'avis en regardant une story Instagram, si je suis là sur Insta et tout, et là, il y a une citation, la vie est un cadeau, faites le tri parmi les personnes toxiques. Bon, ben, je vais dans mes amis, je bloque. 2 secondes après, citation, la vie est un cadeau, réfléchissez avant d'agir. Je débloque. Ah, je sais pas prendre de décision, moi j'aimerais qu'on me dise les choses. Comme pour mon mec, j'aimerais qu'on me dise « Arrête de réfléchir, c'est bon, c'est lui, c'est le bon, tu vois ?» Mais flemme d'envoyer « Est-ce le bon ?» au 7-12-12. Du coup, j'ai fait un truc, j'ai écouté mon instinct, je suis allée consulter une voyante. Instinct claqué. Non, je sais pas si je crois à tous ces trucs, d'accord, mais je l'avais jamais fait, j'avais la curiosité de voir ce que ça fait de jeter de l'argent par la fenêtre. Et je sais, je peux croire à des trucs, je suis un peu superstitieuse, d'accord, mais pas de ouf. Genre, je peux ouvrir un parapluie chez moi, mais si en l'ouvrant, il brise un miroir, je déménage, voilà. Et je sais que je suis un peu superstitieuse, parce que la dernière fois, je rentre chez moi, il est tard, il est 1h du mat', il fait nuit, d'accord, je suis seule dans la rue, et là, t'as une belette qui traverse. Tout le monde voit ce que c'est, une belette? Ouais, c'est un mix entre un rat et un chat, d'accord. Écoute, la belette, elle traverse, elle s'arrête, elle se regarde, je fais un eye contact avec la belette. Et elle part. Et premier réflexe, je vais sur Google, symbolique, eye contact avec une belette. Et il y a des résultats. Ça veut dire qu'on est nombreux. Et c'est là où ça se complique, parce qu'ils disent, oui, si tu croises une belette blanche du Kazakhstan, ça veut dire que t'as trouvé l'amour de ta vie. Par contre, si elle est marron et qu'elle vient de Picardie, là, c'est pas bon, tu sais. Mais moi, dans la panique, j'ai pas eu le temps de discuter avec elle, tu sais. Je leur ai dit, quoi, attendez, madame la belette, j'ai pas bien vu, mon mec, c'est le bon ou pas. Elle m'aurait dit, je suis pas une belette, en fait, je suis un furet. Je fais le truc de la voyante, d'accord, et ça se fait par téléphone, ok? Et je me dis, vas-y bébé, on le fait ensemble, je le fais avec mon mec, on est dans le salon, je mets le haut-parleur, il y a mon mec à côté, j'appelle la voyante, direct, elle décroche, elle fait, oh là 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 là. Je sens que vous avez mal à la nuque. Je regarde mon mec, je fais, bébé, je te jure, elle est très forte, c'est une professionnelle, j'ai mal à la nuque de ouf et tout, elle est forte. Je fais, oui madame, j'ai mal à la nuque, qu'est-ce que ça veut dire? Elle me dit, en ce moment, vous hésitez entre deux hommes. J'ai dit, madame, parlez-moi de la nuque, c'est quoi? C'est un torticolis, qu'est-ce que... Et tu sais, je sens mon mec qui est sur le côté, qui me regarde comme ça, je fais, bébé, elle est nulle, mais elle est nulle, oh là là, mais elle est nulle, regarde ce que j'arrive à faire avec ma nuque, regarde ce que j'arrive à faire avec ma nuque, t'sais. Et elle me dit, oh, pardon, excusez-moi, je me suis trompée, c'est lui qui voit une autre femme. Je regarde mon mec, il est comme ça, n'importe quoi, regarde ce que j'arrive à faire avec ma nuque. J'ai dit, madame, arrêtez, on va se faire mal, c'est le bon ou pas? Elle me dit, je sais pas, je crois pas, il est un peu trop con-con. Il est horrible ce mot, tu sais, con, il y a un truc franc, con-con, c'est vraiment... Et tu sais, là, je regarde mon mec, il est en slip sur le canapé en train d'essayer d'attraper la télécommande avec les pieds. La recherche continue. Et elle m'a dit un truc, par contre, elle m'a dit, niveau professionnel, c'est fabuleux, vous allez percer, vous allez devenir une star et tout. Je fais, ah ouais, quand? Elle me dit, je sais pas, mais vous aurez un kimono violet.
Ça fait 6 semaines que je suis habillée comme ça en tête. Merci beaucoup, la cigale de Marinella. Merci. Il vient à peine de terminer son dîner de Shabbat pour nous rejoindre. Merci. David, Azria, applaudissez-le très fort. Allez-y. Ça va ou quoi? On garde l'énergie par applaudissement qui trouve que j'ai une coupe de merde. Allez-y, 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 allez-y. Merci, merci, merci. C'est pas de ma faute les cheveux, je vous dis tout de suite, c'est pas de ma faute, c'est à cause des coiffeurs arabes, je vous dis tout de suite. Avant, j'allais souvent chez les Arabes, ils prenaient 8 euros. Maintenant, les Arabes, depuis qu'ils te coupent avec une chemise, ils prennent 30 euros, ils se font appeler barbeurs, les enfoirés, vous les connaissez ou pas? Mais la vie de ma mère, coupe-moi au jogging, je sais qui t'es, toi, de base. C'est pas Jean-Louis David, c'est Jean-Louis Hamid, je sais qui t'es, toi, de base. En plus, chez les coiffeurs rebeux, il y a deux gars. Il y a un mec qui coupe super bien, c'est un tueur. Tout le monde veut passer avec lui. Et il y a un deuxième coiffeur, c'est un tueur, mais un vrai tueur. Le soir, il tue des gens, des enfants et tout, tu vois. Ce deuxième coiffeur, il a une fonction chez le barbeur. Il change les chaînes de télévision, c'est sa seule fonction. La dernière fois, il y avait W9 Musique, il a mis Booba, le rappeur, il a augmenté le son. Juste après, il y a eu Nino, le rappeur, il a augmenté le son. Juste après, il y a eu Bilal Hassani, il a éteint la télé, ce papa. Merci. C'est bizarre, les enterrements. Parce qu'il faut faire attention à qui tu donnes la parole à un enterrement. Si tu donnes la parole à la mauvaise personne à un enterrement, l'enterrement, il prend une autre tournure. Patrick est parti trop tôt, comme il en avait l'habitude au moment de l'addition. Tu sais, ça peut lancer un malaise, ce genre de phrase, un enterrement, tu vois. Et moi, récemment, j'ai perdu ma tante et j'avais jamais été à un enterrement. Tu sais, je savais pas comment s'habiller, à qui demander. Du coup, je me suis tourné vers ma femme, tu vois. Ma femme m'a dit, si tu vas, la chose la plus importante, c'est ne pas y aller les mains vides. Je lui ai dit, on va pas lui acheter un t-shirt chez Zara, va jamais le mettre, tata, le t-shirt chérie, tu vois. Du coup, j'achète rien, je vais là-bas et je vois tout le monde a un bouquet de fleurs. Je me dis, attends, je vais faire comme tout le monde. Je vais rentrer chez le fleuriste du cimetière, j'achète un bouquet de fleurs. Je rentre chez le fleuriste, 49 euros le bouquet de fleurs. On est d'accord, c'est cher 49 euros pour quelqu'un qui va même pas voir le bouquet. On est d'accord au bas. C'est toujours à ce moment que tu te dis, ils sont où les Pakistanais avec les roses à 2 euros? Ils sont jamais là au bon moment, ces gars-là, on est d'accord ou pas? Ils ont le pire modèle économique, ces Pakistanais. Hein, ils débarquent, t'es en train de manger une pizza avec ton meilleur ami. Mais va au cimetière, cousin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fous là, t'sais? Moi, je suis au cimetière, je suis un peu perdu, tu sais, je connais pas, je me laisse guider, il y a du monde et tout, je marche et tout. Là, j'arrive, et là, il y a le rabbin qui prend la parole. Il prend la parole, il prend le micro, il dit, alors voilà, dans l'assemblée, qui veut prendre la parole? Il y a 130 personnes au cimetière, personne ne veut prendre la parole. Un malaise. Moi, je vois un micro. Je vois 130 personnes. J'ai jamais joué devant autant de monde. Tu sais, dans ma tête, je me dis, David, saisis-le, c'est ton moment, vas-y, tu vois. J'arrache le micro, je dis, alors voilà, moi, tata, je t'aimais beaucoup, t'étais comme une mère pour moi. Tous les mercredis, je venais chez toi, je te faisais les courses, tu me donnais 20 euros. Mais là, t'es parti trop tôt un mardi et j'ai déjà fait les courses. Du coup, tu me dois 20 euros, qui va me rembourser? Un malaise dans tout le cimetière. Là, il y a la sœur de ma tante qui m'arrache le micro, elle dit, trêve de plaisanterie, c'est moi qui va parler. C'est pas mes mots, c'est les mots de ma sœur, la défunte. Tu sais, les gens, ils étaient comme ça. Ils se sont dit, peut-être c'est son testament et tout. En plus, moi, je lui ai fait les courses, je me suis dit, elle va penser à moi, tu vois. Elle sort un papier de sa poche, elle se met à le lire. Sur le papier, elle avait écrit, sachez que j'ai beaucoup souffert et que mon mari m'a trompé en 2008 avec Céline ici présente. Et là, t'as le mari de ma tante qui dit, non, elle est pas présente, Céline, mais c'est pas ça qu'on veut savoir. Tu l'as trompé ou pas, tata enfoirée, tu vois le truc? Là, un malaise, tout le monde se met à crier, tu vois, ça crie, ça s'embrouille. C'est ma femme, je vais la voir, je fais, c'est tout le temps comme ça, les cimetières. Elle me dit, non, là, particulièrement, il se passe quelque chose. Tu connais l'émission Le jour où tout a basculé sur France 2? Bah là, il y a ta famille sur France 2, chérie, tu vois. Et moi, chercher du réconfort chez les mecs qui sont là-bas. Les mecs tout en noir, vous les connaissez? Les croque-morts, ils sont bizarres, ces gars-là. Ça, ils te parlent même pas, tu leur dis bonjour, ils te répondent même pas. Ils en ont rien à foutre de toi. Parce que t'es vivant, il n'y a pas d'argent à faire, tu vois. Ils respectaient même pas le cercueil de ma tante. Ils étaient comme ça. Michel, tourne à droite, ça passe pas, le cercueil à gauche. Michel, tourne à gauche. À un moment, t'entendais même la tête de ma tante taper.
Cher Michel, respect, c'est ma tante, c'est pas une Clio 2 essence, s'il te plaît, Michel. C'est moi, je pense que c'est fini, j'en peux plus de cette journée. Je vais, je marche et tout. Et là, il faut savoir, chez les Juifs, il y a un truc, quand tu connais pas. En fait, à côté du cercueil, t'as un rabbin qui t'attend, tu lui donnes une pièce, il te donne une cuillère de sable, tu mets ça sur la tombe. Je connaissais pas, moi, ce délire. Tu vois. Moi, ce jour-là, j'ai pas de pièce. Je vais vers le rabbin, je lui dis, j'ai pas de pièce. Il me dit, pas de pièce, pas de sable. Je lui dis, mais c'est ma tante. Il me dit, mais c'est mon sable. Je lui dis, bah du coup, on fait comment? Il me dit, bah si tu veux, j'ai PayPal ou Lydia. Je fais, mais t'es malade, toi, tu vois. Je lui dis, mais je reviens demain. Je fais, mais pourquoi tu reviens demain? Je fais, on va niquer mon oncle. Hein. Demain, il est à l'enterrement à 14h, carré juif à Pantin. Moi, je pense que tout est terminé. À ce moment-là, je veux rentrer chez moi, j'en peux plus. Et là, il y a la sœur qui redébarque, qui a lu le papier. Elle va voir le rabbin, elle dit, est-ce que j'ai une dernière faveur? Je peux faire écouter la musique préférée à ma sœur. C'est le rabbin, dans sa tête, c'est un chant hébraïque, liturgique. Il lui dit, c'est quoi sa chanson préférée? Elle lui dit, c'est Sara Perché Ti Amo. Vous connaissez cette chanson en bas? Sara Perché Ti Amo, c'est une musique que t'écoutes quand t'es dans le sud de la France. T'as 4 grammes dans le sang. T'as les fenêtres ouvertes de la Fiat 500. La chanson, c'est En emozione, Sara Perché Ti Amo. Imagine ça dans un cimetière avec 130 personnes derrière. Elle prend son téléphone, elle se met à genoux à côté du cercueil, elle tape Sara Perché Ti Amo sur Spotify. Le premier son qui sort de son téléphone, c'est pour profiter de Spotify Premium en toute liberté. J'ai dit, ma femme, on arrête, on rentre. Ma femme me dit, on va se détendre, je vais t'amener dans une boutique, c'est le Disneyland des adultes. Elle m'a amené à Action. Vous connaissez Action ou pas? C'est incroyable, Action, putain. Pour ceux qui connaissent pas Action, c'est les plus grandes solderies d'Europe. C'est un mix entre Babou, Jiffy, Le Bon Coin, c'est de la merde, Action, en vrai. Tu sais, déjà, quand tu vas à Action, tu sais même pas pourquoi tu vas à Action. Tu ressors d'Action avec une pompe à vélo, t'as même pas de vélo chez Watt, c'est impressionnant, Action, tu vois. C'est moi, j'étais à fond dans Action. Ma femme me fait, c'est dommage que c'est parti un peu en cacahuète, cimetière. En plus, il y avait toute ta famille. Je fais, mais là, il y a des chargeurs à 1 euro surtout. Là, les rayons, ils veulent rien dire à Action. Dans les rayons, dans le même rayon exactement, t'as des licornes gonflables, des bougies d'ambiance et de la vaseline. La dernière fois, je me suis chauffé, j'ai pris les trois, j'étais à la caisse. La caissière m'a dit, purée, elle va passer un sacré soirée avec toi, la licorne gonflable. Hein. Les rayons, ils veulent vraiment rien dire. Ils veulent vraiment rien dire. La dernière fois, je cherchais des cotons-tiges. Je trouve pas 5 minutes, 10 minutes. Au bout de 20 minutes, je vois un mec, gilet Action, je l'arrête. Je fais, excuse-moi, tu sais où c'est les cotons-tiges? J'arrive pas. Je dis, frérot, c'est trop le bordel ici. J'y prends mon numéro, le premier qui trouve, on s'appelle, s'il te plaît. Je te dirai mon message. On part de Action, tu vois. On part de Action, on est en voiture avec ma femme, c'est elle qui conduit tout le temps. Moi, je déteste conduire, tu vois. Elle conduit, je suis souvent sur le siège juste à côté. Elle conduit, elle fait une queue de poisson à un mec dans un rond-point. Elle est fautive à 4 milliards de %. Mais comme je suis à côté, elle s'en pousser des ailes. Elle me regarde, elle regarde le type, elle me regarde. Elle lui fait un doigt d'honneur, cette connasse. Moi, premier réflexe, je regarde le gabarit du monsieur du doigt d'honneur. Je vois le sien, je vois le mien. Je lui dis, vite, prends la 5e sortie, s'il te plaît, prends la 5e sortie. Elle me dit, on n'habite pas là, je fais, t'inquiète pas, je connais très bien le chemin à droite, puis à gauche, et un McDonald's, on va s'arrêter 2 minutes. Elle me dit, mais quel rapport, on est juif, on mange cachère. Je fais, t'inquiète pas, Dieu pardonne toujours le Big Mac. Le moment est venu de goûter le Big Mac en famille. Dieu, pardonne-moi, s'il te plaît. Ça va jusqu'à là-bas. Et j'avais même pas le temps d'arriver au McDo, le mec m'arrête, tu vois. Il ouvre sa fenêtre, il m'insulte, il fait, ouais, espèce d'enfoiré, sors si t'es un homme, et toi sors si t'es une femme. Chez moi, je vous arrête tout de suite, je suis avec vous depuis le début de cette histoire, faut pas me mêler. C'est entre vous et la personne qui est à côté de moi que je connais à peine. Pour tout vous dire, elle m'a récupéré à Porte de la Chapelle, c'est un blabla car, je connais même pas son prénom, moi, la dame. Et ma femme, comme je prends pas sa défense, elle se tire avec les gosses et elle me dégage de sa bagnole. Je me retrouve nez à nez avec le mec qui l'a insulté. Là, je suis perdu. Le mec, il m'insulte pendant 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Et au bout de 30 minutes, vous savez qui m'a ramené chez moi? Le mec qui a insulté ma femme. C'était génial. Sur le chemin du retour, on avait trouvé un compromis. On faisait qu'insulter ma femme, lui et moi. C'était impressionnant. Je vous remercie. Je m'appelle David Avria. Merci à vous. Vous étiez cool. Faites un maximum de bruit pour le prochain, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le prochain, c'est un stand-upper de génie. Il est également chauffeur Uber. Moi, j'habite à Bagnolet. Si après, tu peux me ramener. Yacine Daoudi, s'il vous plaît. Bonsoir la cigale, est-ce que vous êtes chaud? Moi j'aimerais commencer par une question pour tester le public un peu. Si je vous dis salam alaikum, vous me dites? On a que des radicalisés ce soir à la cigale, parfait. Alors moi je m'appelle Yacine Daoudi, je suis musulman. Et je vous dis ça parce que j'ai remarqué un truc, pardon, c'est que nous les musulmans on est un peu comme les végétariens. Nous aussi on a des flexis. Tu sais, les flexitariens, de temps en temps, ils mangent de la viande. Les flexi-muslims, de temps en temps, ils boivent de l'alcool. Moi, il y a un truc que je kiffe faire. J'aime bien mettre mal à l'aise les Arabes qui achètent de l'alcool dans les supermarchés. Tu sais, j'arrive derrière eux discrètement dans le rayon comme ça, là.
J'attends qu'elle attrape sa bouteille de vodka. Tu sais, je dis rien, juste je le regarde, je fais... 9 fois sur 10, le mec, il n'assume pas. Il me regarde, il me dit, excuse-moi, frérot, j'ai oublié mes lunettes. Tu peux me dire si c'est ça, le vinaigre balsamique? Ah, foutant de ma gueule. Moi, il y a un truc que je déteste, moi, c'est les entretiens. Je déteste ça. Et avant de faire du stand-up, je bossais dans la finance. Tu vois, je travaillais chez BNP Paribas Personal Finance. Bon, en français, c'est CTLM. Et pour travailler chez CTLM, j'ai dû faire un entretien collectif. Tout le monde voit ce que c'est ici? Ouais, ceux qui ne voient pas, vous connaissez la série Squid Game? C'est exactement le même principe. On était 30 candidats pour un seul poste. Et c'est la dernière épreuve pour nous départager, c'était un débat. Et le thème du débat, c'était pour ou contre les armes à feu. Tout le monde était contre, bien sûr, tu vois. Mais moi, je sais que pendant les entretiens collectifs, faut se démarquer. Du coup, j'ai dit que j'étais pour, tu vois. Mais j'avais pas prévu qu'ils allaient s'arrêter de parler, qu'ils allaient me regarder pour voir c'était quoi mes arguments, tu vois. Donc là, il fallait que je détende l'atmosphère, tu vois. Je fais... Bah là, par exemple, si j'avais une arme à feu, bah, j'aurais été sûr d'avoir le poste. Hey, ils ont pas du tout rigolé comme vous, hein, pas du tout. Mais au final, ils m'ont pris. Je sais même pas comment ça se fait, ils m'ont pris et m'ont mis au service recouvrement. Moi, je kiffe, tu vois, il fallait que j'appelle les mauvais payeurs pour les menacer de payer. Et on avait un script à respecter, tu vois. Et dans le script, c'était écrit, genre, si vous payez pas, on va venir vous saisir vos meubles. Moi, je l'ai customisé un petit peu, tu vois. J'ai remplacé meubles par enfants. Du coup, j'étais hyper efficace, tu vois. Mais ils m'ont quand même viré au bout de 3 mois, les bâtards. Parce qu'en fait, ils se sont rendu compte que j'avais 2 anciens crédits que j'avais pas payé moi-même. Ils m'ont fiché Banque de France en plus, tu vois. Et quand t'es fiché Banque de France, t'as que 3 solutions pour sortir de l'interdiction bancaire. C'est soit tu payes ta dette, soit t'attends 5 ans et ça s'efface automatiquement du fichier, soit tu fais une Valérie Pécresse, tu fais un appel au don. Moi, j'avais que 200 euros remboursés, tu vois, donc j'ai attendu 5 ans. Et 5 ans, ça passe vite de ouf, en vrai. Moi, j'en ai profité, tu vois, pour demander la nationalité française, parce que je suis né au Maroc à la base. Et quand tu demandes la nationalité, t'as aussi un entretien, pour savoir si t'es bien intégré à la société française. Et moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi l'entretien, je l'imaginais comme une épreuve de Fort Boyard. C'est genre comme si j'allais être reçu par le père Fouras, qui allait me poser des questions en mode énigme, tu sais. Alors, mon premier, traverse la mer à la nage. Mon deuxième, vole le travail des Français. Alors, qui suis-je? Qui suis-je? Tu sais pas? Tu sais pas? Ok, bouge pas. Fais l'Indra. Ramène les tigres. En vrai, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai été convoqué à la préfecture. Tu sais, j'arrive à la préfecture, la première question qu'on pose me dit « Vous connaissez la Marseillaise ?» Je dis « Ouais, je la connais. » Il me dit « Chantez-la. » Je suis venu pour la nationalité, je me retrouve à faire The Voice, tu sais. J'avais trop peur qu'ils se retournent, qu'ils passent. Non, je suis pas du tout convaincu par la prestation, monsieur. Et là, il me regarde et me dit « Vous êtes musulman, vous ?» Je dis « Moi ?» Franchement, vite fait, hein. Eh, je suis flexi, moi, ok. Et là, il me dit quoi? Il me dit « Combien de fois vous allez à la mosquée par semaine ?» J'ai dit, alors moi, je vais vous dire la vérité, hein. Mais depuis le Covid, je suis en téléprière. Et je pense que là, il a voulu me bloquer, tu vois. Il me dit « Est-ce que vous avez déjà pensé à aller en Syrie ?» J'ai trouvé la question hyper chelou, tu vois. Après, je sais que pendant les entretiens, il faut se démarquer. Je rigole, j'ai pas osé faire de blague à ce moment-là. Et trop de trucs en jeu, tu vois. Au final, tu sais, je suis devenu français et j'étais fier parce que faut savoir un truc, c'est que pour devenir français, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Alors pour être président de la République ou premier ministre, c'est pas obligatoire apparemment. Pour être français, c'est obligatoire. Et moi, j'ai pas fait beaucoup de conneries dans ma vie, j'ai fait de la garde à vue une seule fois. C'était pour un truc bidon, c'était pour faux et usage de faux dans le cadre de l'obtention d'un crédit à la consommation. Bref. Je vous dis la vérité, en fait, j'avais demandé le crédit, j'avais pris le RIB de mon père et j'ai mis mon nom à la place, tu vois, pour que ce soit lui qui reçoive l'argent. Du coup, ils se sont rendu compte, ils me convoquent, tu sais, en garde à vue, j'arrive. Moi, je voulais montrer, tu vois, que j'avais pas peur et tout, je le regarde droit dans les yeux. Il me dit, vous avez quelque chose à déclarer avant de commencer? Je dis, ouais. J'ai pas envie d'aller en prison, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, tu vas pas aller en prison. Ton père a été convoqué ce matin avant toi et il a avoué qu'il avait tout fait tout seul. C'est pas trop mignon, en vrai? Mais je pouvais pas laisser mon père prendre à ma place, tu vois. Il fallait que j'assume mes conneries. Je l'ai regardé dans les yeux, je fais non, mon père n'a rien à voir avec ça, monsieur. C'est ma mère qui a tout fait toute seule. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Yacine Daoudi. Elle joue tous les mardis au Beau-Saint-Martin, Cécile Marx. Bonsoir, est-ce que ça va? Ouais, cool. Moi aussi, ça va, je suis enceinte. Oui. Non, mais ma
n'applaudissez pas. C'est comme beaucoup de blagues que je vais vous faire ce soir, je vais pas garder. Humour noir, non? Ok. Bah sinon, moi j'ai un vélo. Il y a des gens qui ont des vélos ce soir? Ouais, ça c'est mon public, putain! Moi, je me sens vachement plus en sécurité depuis que je rentre chez moi le soir en vélo, parce que quand j'étais à pied, je me tapais trop de parano à cause des mecs qui sortent leurs chiens. Vous voyez ou pas? Quand vous les avez vus, eux, mais que vous avez pas encore vu leur yinche, ça donne juste des mecs tout seuls, debout, à l'arrêt dans la brume, avec leur regard dans le vide, en train de faire... Sinon, moi, je suis très fière de mon vélo. Et au début, quand je l'ai eu, je l'ai montré à tous mes amis en disant « Regardez comme il est beau, mon vélo !» Et tous mes potes, ils m'ont fait « Range-le fort !» C'est un vélo à Paris. Un vélo à Paris, ça a l'espérance de vie d'un Français à Roland-Garros. Et mon vélo va très bien. Hein. Il m'attend dehors, là. Personne me l'a jamais volé, quoi. C'est quoi le problème avec mon vélo, en fait? Non, mais je commence à être vexée, il y a quoi? Il est pas assez beau, c'est ça? Ses roues sont trop petites? Il a un syndrome de dépendance affective tellement énorme qu'il finit irrémédiablement par suffoquer son partenaire d'un amour non réciproque? Du coup, j'essaie de me le faire voler. Je l'attache jamais. Le soir, je laisse garer à Stalingrad. Et rien, quoi. Putain, la dernière fois, je l'ai attaché à un poteau, je suis revenue. Ils avaient volé le poteau. Mais moi aussi, hein, j'ai envie de faire partie de la grande communauté des gens du vélo volé, ok? Moi aussi, j'ai envie de vivre cette expérience. Moi aussi, j'ai envie d'arriver au commissariat et de dire « Messieurs les policiers, on m'a volé !» Et que les policiers me répondent « Ouais !» Enfin, attendez, vous êtes sûr que votre vélo, il a dit non, non, de façon claire ou... C'était la seule vanne engagée de ce sketch. Profitez-en pour ceux qui l'ont comprise. Sinon, je suis d'une mauvaise foi à vélo, mais c'est chaud. Enfin, je dis je, mais tous, on est d'accord, quand on est motorisé, on a un problème. Genre, tu vois quelqu'un qui passe au orange, juste était là. Ah ouais. Eh ben, bravo la France. Alors que toi, 2 mètres avant, t'as fait une queue de poisson à un tétraplégique. Mais ce que je préfère, c'est quand t'as les piétons qui traversent au vert, donc normal. Moi, je grille le feu. Et les piétons, ils continuent à traverser, mais en faisant « Pardon, excusez-moi, je suis désolée, pardon, pardon. » Et moi, je suis là « Ouais, vas-y, c'est ça, cours, petite salope, là. » Ouais, baisse les yeux. Appelle-moi papa pour voir, c'est bon, ça. Mais mon vrai truc préféré à vélo, c'est sur les pistes cyclables. Les Kaira qui prennent la trottinette à deux. Est-ce qu'ils sont pas trop chatons, mignons, là, putain? Ah, oh, petit jogging, basket, duvet. T'as celui derrière qui tient celui de devant par les hanches. Puis qui lume un peu la nuque, comme ça. On dirait Jack et Rose dans Titanic. Mais sinon, il n'y a pas longtemps, j'ai repris le métro. Je sais ce que vous vous dites. Quoi? Mais qui est donc cette mystérieuse blonde qui change aussi souvent de moyens de transport que de partenaire? C'est moi. J'étais dans le métro et j'ai entendu la fameuse annonce. Attention, des pickpockets peuvent être à bord. Oui, parce qu'elles le disent toujours avec une voix de pute. Et je me disais, il y a quand même rien qui va dans cette annonce. Déjà, c'est pas bizarre d'avoir choisi le mot pickpocket pour nous faire très très peur. Tu sais, moi, voleur, ça m'allait, hein. Je dis, attention, il y a des voleurs. Je suis là, oh, non, où ça? Par contre, tu me dis, attention, il y a des pickpockets. Cool. On dirait un nom de goûter pour enfants. Et ensuite, à bord, je crois pas, non, parce que t'es à bord d'une croisière. T'es pas à bord quand t'es collé contre une vitre ligne 9 avec à côté de toi un clochard qui se branle avec deux doigts en chantant « C'est la lutte finale !» Groupon et... Oui, il a une énorme tub. Non, moi, toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop vulgaire, que j'utilisais des mots trop crus, que « bite », c'est pas beau dans la bouche d'une femme. Comme quoi, c'est vraiment une histoire de contexte, hein. Mais c'est vrai, en fait, moi, 50% du temps, je suis folle, vulgaire, provoque, tout ce que vous voulez. Mais les 50% du temps, je suis un croisement entre une nonne et un écureuil paranoïaque. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai très envie de collectionner tous les glands et en même temps, ça me fait très, très peur. Sinon, moi, c'est Cécile Marx. Enfin, de face, c'est Cécile Marx. De dos, c'est Paul Mirabel. Et je vous laisserai là-dessus. Merci beaucoup. Salut, les cigales. Vous pouvez le retrouver à partir du mois de janvier tous les mercredis au Métropole. Hugo tout seul. Je trouve qu'on s'habitue à un quotidien de pire en pire.
Ça va pas être chiant. Vous inquiétez pas, ça va pas être chiant. Tu sais, ça a commencé par réchauffement climatique, puis attentat, puis pandémie, puis risque de guerre mondiale. Et en vrai, si demain on me dit que c'est la troisième guerre mondiale, moi ça m'étonne même pas, c'est juste que je me pose deux, trois questions, quoi. Moi, il y a un truc qui me fait peur dans tout ça, c'est que j'ai peur qu'en cas de guerre mondiale, le gouvernement compte sur notre génération pour aller au front. Il faut pas, hein. Tu sais, ça va débarquer sur la plage à base de « Putain, mais Jordan, merde !» Frère, on va tous vouloir désarmer une main parce qu'on a un téléphone dans l'autre. « Salut la commu, on est en direct de Kiev !» En plus, notre génération, on n'a pas fait le service militaire. Nous, on a fait la JAPD. Et la JAPD, c'est juste des questions pour savoir si on sait lire ou pas, hein. Quelle est la capitale de l'Italie ? Rome, Berlin ou Arbre ? On va pas pouvoir se battre, les gars. En plus, c'est un truc mondial, quoi. Mondialement, on est une génération qui a pas été éduquée pour aller tuer des gens à 20-25 ans, quoi. Tu sais, ils vont s'envoyer en Russie. On va se trouver en face de jeunes russes qui ont envie de tuer personne. Ça va pas faire la guerre, ça va faire des soirées techno, mon frère. Ça va être très bizarre, la guerre, avec notre génération, hein. On va se taper des tutos comment éviter les mines tout en restant mince. Ça va être très chelou. Et puis, la puissance du patriotisme chez les jeunes, quoi. Quel jeune, aujourd'hui, a envie de se battre pour la France ? Voilà. Je pense que les jeunes, on préfère se battre pour Squeezie, mon frère, vraiment. Mais on a de la chance, tout ça n'arrive pas encore, et c'est important, les gars, de reconnaître la chance qu'on a dans la vie. Moi, j'essaie de le faire. Moi, j'ai beaucoup de chance dans ma vie personnelle. Là, ça fait 2 ans que je sors avec une meuf magnifique. Ma meuf, elle est marocaine, elle est musulmane. Là, je suis super content parce qu'elle m'a dit que j'étais Sarklel. Du coup, je suis refait, là. Je l'aime tellement, j'aime tellement cette meuf. J'ai jamais aimé une fille comme ça, tu vois. Je l'aime tellement que ça y est, je commence à penser à avoir des enfants avec elle. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Elle m'a dit, écoute Hugo, moi je suis pas prête. Elle m'a dit déjà, il faut qu'on se marie. Et elle m'a dit, quand on se mariera, en vrai, moi ça me ferait plaisir que tu te convertisses parce que les traditions c'est important pour moi. Et par contre, elle veut pas prendre mon nom de famille. Ce qui est quand même un truc plutôt traditionnel. En fait, elle prend une tradition qui l'arrange. Tu sais, je sens que ça va finir, je vais attendre à la maison avec son deuxième mari. Elle va me dire le hijab, je suis à fond pour, mais sur toi. Et je lui dis, en plus, tu veux que je devienne musulman, mais t'es au courant depuis le début que moi, je crois pas en Dieu. Elle m'a dit, ah, c'est pas grave, ça. Je crois que ça compte un peu, quand même. Là, j'ai vu une statistique en parlant de religion. Apparemment, 50% des catholiques ne croient pas en Dieu. C'est quand même pas la base du truc. Tu sais, ils font quoi, les mecs, quand ils prient? Ils font, au cas où. Ça n'a aucun sens, mon frère. Je sais pas si c'est vrai, ce cliché comme quoi toutes les familles blanches sont racistes. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de familles blanches qui essaient de faire des efforts, tu vois. Moi, j'étais très content de dire à ma grand-mère que j'avais une nouvelle amoureuse, tu vois. Je suis allé la voir, je fais, voilà, mamie, j'ai une nouvelle copine. Elle me fait, bah, c'est bien. Je lui ai appelé Sabrina, elle me fait, ah, c'est bien. Je lui ai la musulmane, elle me fait, ah, c'est-à-dire. Je fais, non, mais par contre, elle boit du vin. Elle me fait, ah, ça va, alors. Ma meuf et moi, on s'est engueulés hier, là. Une petite engueulade, mais une engueulade où tu te parles pas toute la journée, quand même, tu sais. Mais maintenant, ça fait plus d'un an et demi qu'on habite ensemble. Si on veut plus s'engueuler comme des ados, parce qu'il y a un moment où la réalité quotidienne te rattrape, tu vois. Tu sais, on se parle pas toute la journée. À un moment, je vais la voir, je fais... je vais faire les courses, il te fallait un truc. Il me fait non. Enfin si. Il me fallait la crème fraîche et des coquillettes. C'est très difficile de rester énervé quand il y a le mot coquillette dans la discussion. Tu sais, je sens le truc, j'ai envie de le pousser, je fais crème fraîche épaisse ou semi-épaisse. Elle me dit barre-toi, tu vas faire les courses. Tu sais, je vais faire les courses. Et maintenant, on vit une époque bizarre, parce que même quand tu fais les courses, t'as peur, tu vois. C'est à cause des pénuries. T'as peur, quoi. Moi, j'ai peur de pénuries qui sont pas encore là. Moi, j'ai peur d'une pénurie de clopes. Eh, hey, j'ai pas peur pour les fumeurs, moi. Moi, j'ai peur pour les non-fumeurs qui vont oser dire à un fumeur « Mais au moins, comme ça, t'es obligé d'arrêter. » Ça, c'est un meurtre, hein. Ça, c'est un meurtre. Pénurie de porno. Cette ambiance-là, mais dans toute la France. Tout le monde sait, personne n'ose en parler. Et toi, ça va? Parce que moi, j'ai la patate, là. Pénurie d'alcool. Imagine les boîtes de nuit sans alcool. Tout le monde est super conscient de ce qu'il fait. Plus personne sait danser. C'est ma meuf que tu regardes, là? Ouais. Bah, ça se fait pas. Bah, désolé, mec. Après, tu peux sortir de la boîte. T'as encore ton ticket.
tenez le numéro 262, tenez votre manteau, truc de ouf, quoi, tu vois. Merci, c'était Hugo, c'était tout pour moi, c'était cool. C'était Génération Bonhomme avec Antec, Blandine Lou, Nick Mukoko, Guano, Guy Koch, Thomasy, Ayoub, Marinella, David Adria, Yacine Daouli, Cécile Marx, Hugo tout seul. C'était Génération Paname, passez une très bonne fin de soirée. Merci à Cadaron Productions et au Panama Café.